Nauguyates que sem trubades, nauguyates que sem trubades. Nauguyates que sem trubades, nauguyates que sem trubades. Tutus nau du ma de l'amour, l'udrumi de la nuit mainado. Tutus nau du ma de l'amour, l'udrumi de la nuit que. Radio Bulle vous présente L'Heure Occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culture Asdoc vous présentent L'Heure Occitane, émission culturelle occitane en agenès. Oui, bonjour. L'Heure Occitane d'aujourd'hui comprend deux parties. La première partie s'intitule « Ma chanson ». C'est tout neuf. On prend une chanson, un invité, et on fait parler l'invité, évidemment, à propos de la chanson. Deuxième partie, ben, c'est Noël. Alors, c'est une rediffusion de chansons de Noël. Et au bout du fil, il y avait, ce jour-là, Martine, la fille de Rosine de Peyre. Voilà, bonne écoute. Et maintenant, ma chanson. Et adoro la mia canzone. Ma chanson. E adoro la mia canzone. Maintenant ma chanson. Et adoro la mia canzone. Bonjour. Bonjour. Si je dis bonjour, c'est à Kachtoun que je dis bonjour. Oui. Parce que bien sûr, on va parler d'une chanson, mais de la chanson à Kachtoun. J'aimerais bien qu'il me donne le titre parce qu'il le fait tellement bien, tellement mieux que moi. Alors elle s'appelle Lujan de Peyre Horto. Ouais, on peut voilà. Commenter le titre un tout petit peu. Kachtoun. Ben, c'est le titre du. C'est un monsieur qui s'appelle Lujan de Peyre Horto. En français, on pourrait le traduire par le Jean de Pierrefort. C'est son nom, ou le nom de la maison où il habite. On écoute la chanson. Tengo andundo,
Kaima bulla mario todundeno Kaima bulla mario todundeno La iglio du Bertrandundeno La iglio du Bertrandunda La uevo vista la ero dundeno La uevo vista la ero dundeno Yalla erro de standundeno Yalla erro de standunda Che esa siguia todundeno Che esa siguia todundeno Yalla erro de standundeno Yalla erro de standunda Benghi grumpa in un periodo undeno Benghi grumpa in un periodo undeno Ed et pans di band undeno Ed et pans di band unda Ende che ha la pelio undeno Ende che ha la pelio undeno Ed et pans di band undeno Ed et pans di band unda Ende butta però io d'undeno Ende butta però io d'undeno Tanna uge ingalan d'undeno Tanna uge ingalan d'unda Berro io nesti vero d'undeno Berro io nesti vero d'undeno Semme vos per garandundeno Semme vos per garandunda Gastanti cuminaute dundeno Gastanti cuminaute dundeno Porvi che mbagli espandundeno Porvi che mbagli espandunda Pambena ora stivero dundeno Pambena ora stivero dundeno Dambe fromma gli astandundeno Dambe fromma gli astandunda Thank you.
Alors, je rappelle le principe de l'émission. On écoute la chanson de notre invité, celle qu'il a choisie. On parle un peu de la chanson. Et peut-être on la réécoute ou alors il nous indique une autre chanson en fin d'émission. Kachtoun, j'aimerais qu'on parle de ce morceau-là. Il est très long, il fait 8 minutes. C'est pas bon pour les radios, ça, autrefois. Comment vous expliquez le 8 minutes ? Bon, c'est une chanson qui a été enregistrée en 1980, donc on avait peu de chance de passer sur les radios libres, qu'on appelait libres à l'époque, parce qu'il fallait que ça dure 3 minutes, donc on se préoccupait peu de la durée. En fait, la chanson dure, le titre complet dure 8 minutes, mais il est entrecoupé d'instrumentaux, et à la fin ça se termine par un instrumental qui doit faire 3 ou 4 ou 5 minutes, donc la chanson elle-même est plus courte que ça. Donc ça, c'est de la construction de la chanson que vous parlez. Oui, je parle de la construction. En fait, si on chante que le texte, ça ne dure pas 8 minutes. Ça dure 4 ou 5 minutes, c'est-à-dire un format de radio, quoi. Je vous promets, je reviendrai sur la construction de la chanson. Mais ça sent le médiéval quand même, quand on l'écoute. Je ne sais pas. Ça paraît peut-être un peu exotique. Hein. En fait, elle est... On a trouvé cette chanson, on jouait le groupe Perlimpinpin à l'époque, en 1980. On avait joué sous la halle à Montfort, dans le Gers, je me souviens assez bien. Et ça, c'est la rencontre avec la chanson. La rencontre avec la dame qui connaissait cette chanson. Et je me souviens assez vaguement, mais cette dame, on l'a rencontrée après le concert, et elle nous a chanté cette chanson. On n'avait pas de matériel pour l'enregistrer, donc après on est allé l'enregistrer. Donc et vous l'aviez en tête ? Oui, vaguement, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on ne la connaissait pas cette chanson, ouais. Et il faut aller la retrouver plus précisément, donc on est allé la chercher. Je crois que c'est Jean-Luc Madier qui était allé, avec un magnétophone. Où ça ? Chez la dame ? Chez la dame. Je ne me souviens plus trop, enfin elle était dans le coin, elle habitait dans la région de Montfort. Ouais. Et donc il l'a enregistrée, puis on l'a reproduite avec des arrangements, une introduction jouée à l'alboca, qui est un instrument du Pays Basque. Mais ça, c'est formidable quand même, de retrouver une trace musicale comme ça dans la mémoire des gens, ouais. Et puis de la transformer en objet véritable. Oui, mais c'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Hein. À l'époque, on composait peu ou de mélodies encore. On s'y est mis un peu un an ou 2 ans après. Et donc, on faisait quasiment que des airs traditionnels. Et quand on tombait sur un air très intéressant, surtout, on ne le connaissait pas, on se l'appropriait. Enfin, on l'empruntait, disons. Avec des arrangements comme on faisait déjà à l'époque. Hein. Donc, vous collectez, mettons, le samedi soir ou le dimanche. Voilà. Et puis, vous vous donnez rendez-vous pour le mercredi. Quelques jours après. À la répétition. Et après, avec ces traces musicales qui trottent dans vos têtes, ouais. Vous refaites une chanson. Oui, on l'interprète, comment, on l'arrange. Comment ça se passe, ça ? On part de la mélodie, on trouve la tonalité pour savoir quel instrument on peut brancher là-dessus. L'accouchement est un long travail. Oui, en général, oui. Il y a des réflexions, des idées. Quelquefois qui viennent vite, quelquefois qui viennent pas, quelquefois qui sont pas bonnes et on s'en sert pas de ces idées. Et puis petit à petit, quand on sent que ce qu'on tient le bon bout, on creuse un peu plus. Et puis voilà, l'arrangement, après il faut polir, faut fignoler. Et voilà, c'est fait. Enfin, quelquefois, ça dure longtemps. Hein. Et donc cette chanson, Kachtoun, oui. Elle a une construction, elle a une architecture. Vous dites, il faut que je commence par... instrument. Oui, mais ça, on l'a pas décidé comme ça. Je me souviens plus comment c'est venu, mais par exemple, elle était dans une tonalité mineure. Alors, dans les instruments qui jouaient en mineur, on avait plusieurs instruments. On avait l'alboca qui nous plaisait. Parlons des instruments. Alors, sur ce morceau, on entend une flûte, un mandoloncelle, une percussion, mais l'instrument
qui domine un peu, c'est l'alboca. Et l'alboca, j'en jouais depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans. À l'époque. C'est un instrument que j'avais découvert par hasard sur un disque de musique basque. Ouais. Un instrument très particulier, qui bizarre, avec deux cornes. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une cornemuse très primitive dans laquelle la poche de la cornemuse n'a pas encore été inventée. On se sert de ses joues comme une réserve d'air. Ouais. Donc c'est un des ancêtres de la cornemuse. Alors il existe des instruments quasiment identiques, presque identiques en tout cas, en Crète, en Grèce, au Maghreb, dans pas mal de pays de l'Est. Voilà, c'est... Pour en jouer, Kachtoun, il faut l'avoir. Oui, alors... Comment vous faites pour l'avoir, cet instrument? J'ai rencontré un Basque un jour, je ne sais plus trop, très bien, il avait cet instrument, enfin, où on s'est rencontré avec... par courrier à l'époque, hein. C'était la préhistoire, et je l'ai échangé contre une flûte. Il m'a donné son alboca, je lui ai donné ma flûte. Enfin, voilà. Ah, il y a des négociations, il y a des échanges. Et donc après, j'ai fabriqué d'autres albocas parce que la tonalité était difficile. En fait, c'est des instruments assez primitifs et difficile à jouer, mais difficile à régler, pas très fiable, donc j'ai essayé de les améliorer un peu, ces instruments. Non, parce que... C'était des instruments utilisés par des bergers Pas forcément des bergers, mais c'est un instrument qui avait quasiment disparu. Moi, je n'ai connu que des vieux enregistrements d'un ou deux musiciens albocari, qu'on appelle à l'époque. Léon Bilbao, notamment, que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai écouté sur disque. C'est avec lui que j'ai appris à jouer, sans qu'il le sache. Et maintenant, c'est devenu un instrument pas très courant, mais assez courant au Pays Basque, qu'on voit dans les génériques de télévision basque. Ça n'a jamais été joué à Saint-Jean-de-Luz et Biarritz et tout ça, dans le Pays Basque français. C'était plutôt joué du côté de Bilbao, à Guipuscoa et dans les provinces basques. Et c'est devenu un instrument un peu emblématique du Pays Basque. Que vous maîtrisez aujourd'hui? Je maîtrise. Je ne maîtrise jamais complètement l'instrument, mais oui, j'en joue. Oui, j'en ai pas mal joué. J'en joue encore de temps en temps. Hein. C'est un instrument assez particulier. Il faut apprendre à faire ce qu'on appelle le souffle continu. C'est-à-dire, quand je disais que c'était l'ancêtre de la cornemuse, ouais, ça se joue comme une cornemuse, sauf qu'il n'y a pas de sac, il n'y a pas de poche. Donc, c'est les joues qui servent de réserve d'air et on apprend. Ouais. C'est une technique qui se joue, qui est utilisée dans beaucoup de pays, surtout au Maghreb et en Turquie, et au Pays Basque. Donc. Souffle tout le temps. Il faut apprendre à souffler tout en respirant par le nez, en bloquant la glotte, l'épiglotte, tout ça. Et voilà, on souffle tout le temps. Il y a des musiciens de musique contemporaine qui ont appris ça, et les musiciens de jazz, certains se servent de cette technique. Quoi. C'est-à-dire qu'on souffle sans arrêt et on ne fait des silences que quand on veut. Si on ne veut pas faire de silence, on peut jouer un quart d'heure sans s'arrêter, sans que le son ne s'arrête. C'est étonnant parce que Kachtoun, quand il raconte, ouais, on sent bien que c'est de la vie, ça. Ah oui. C'est de la vie vécue. Oui, oui, vécue. Puis il faut être un peu têtu et obstiné pour apprendre à jouer de cet instrument. C'est assez redoutable. Oui, il résiste. Mais une fois que ça y est, une fois qu'on le maîtrise un peu, c'est la récompense. Quoi. Ah ouais, c'est très plaisant à jouer. Ces musiques-là, elles sont un peu répétitives, beaucoup répétitives. Elles se basent sur des bourdons, c'est un peu de la transe, même si c'est calme. Ah ouais. Et donc, quand on s'arrête, on a tendance à pas vouloir s'arrêter, quoi, justement. Oui, puisque la transe, oui, effectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres instruments, Kachtoun? Alors, dans ce... Dans un peu particulier, dans ce morceau-là? Oh non, il y a une flûte flageolée, une flûte à 6 trous, il y a une percussion, un tambour, une mandoline. Enfin, c'est une guitare qui a été transformée en mandoloncelle, c'est-à-dire une grosse mandoline, disons. Ouais. Un violon, donc rien de plus particulier. Ce qui est un peu curieux, on l'a appris après, c'est que cette chanson qui paraissait chanson traditionnelle, on est tombé sur un bouquin d'un curé de Estan, dans le Gers, qui avait écrit des chansons au fin 19e et début 20e siècle, et on a appris que c'est lui qui avait écrit cette chanson. Et à l'époque, il a écrit plusieurs chansons qui étaient des copies ou des copies de chansons traditionnelles. Donc ce n'est pas une vraie qui vient de la tradition du fin fond des âges, c'est lui, fin 19e, qui a écrit plusieurs chansons, « Canson de la Yalaire », Le Jean de Peyrehorte, puis d'autres dont j'ai oublié le titre. C'est comme l'autre disait, derrière les cailloux, il y a d'autres cailloux. Oui, peut-être. Dès qu'on remue un peu. Bien sûr, il y a les instruments essentiels. Oui.
Et puis il y a les voix, parce qu'on les entend bien, les voix là. Oui, mais alors... on peut en parler un peu, parce que ce sont des voix, je dirais pas particulières, non. C'est... Mais n'empêche qu'elles sont travaillées d'une certaine manière. Travailler, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin, moi je les trouve plus particulières parce que j'ai baigné dedans dans toute ma vie de musicien. Hein. C'est des voix qui... comment expliquer ça ? Là, le chanteur principal, c'est Jean-Luc Madier, je chante aussi, mon frère a chanté, Jean-Luc Christian Lannot aussi, donc particulières, elles sonnent particulièrement parce qu'on chante ensemble, quoi. Mais est-ce que les voix chanter sont... Chanter ensemble, c'est pas facile non plus. Et le résultat est souvent admirable. Ben, quand c'est réussi, oui. Mais là, c'était pas tellement travaillé, c'était à force de répéter, quoi. Un groupe qui a l'habitude de chanter pendant des années ensemble, les habitudes qui arrivent et qui restent, quoi. C'est pas un travail très calculé, en fait. Après, bien sûr, une fois que c'est construit, il faut dire maintenant on s'arrête. C'est là, c'est cette forme-là qu'on va faire connaître au public, c'est ça ? Oui. Qui est-ce qui prend la décision d'arrêter le travail préparatoire ? Je ne sais plus. Alors pour cette chanson, je ne sais pas, mais on ne l'a pas construite sur le papier comme ça, en disant on fait une introduction, et puis un chant, et puis deux instrumentaux, et puis on finit le chant, et après on enchaîne sur cet air basque là. C'est plus instinctif que ça. Quoi. Oui, enfin, on essaye 36 combinaisons, et puis celle qui nous plaît le plus, on dit bon, ça c'est pas mal, on l'essaye, et puis quelquefois on revient dessus parce que c'est pas tout à fait ça, et puis une fois que ça y est, on n'y touche plus beaucoup. Quoi. Et après, Cachetoun, il faut montrer ce qu'on a fait. Oui, alors on le monte sur scène, et puis quand on l'a un peu rodé, on l'enregistre et on fait des disques. Et comment on faisait des disques à l'époque. Donc il y a les concerts, oui. Il y a les disques, ça c'est la vie des musiciens. Oui. Oui, mais on faisait... De toute façon, à l'époque, la seule façon de se faire connaître, c'était de faire des concerts et le bouche-à-oreille fonctionnait, plus ou moins, mais c'est avec ça qu'on trouvait du boulot, et faire des disques pour envoyer à des radios, à des journaux, à des critiques musicaux, de ça, donc il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux, ni de zéros sociaux, donc c'était le seul moyen. Mais c'était intéressant aussi de faire un disque, ça marque une étape, ça fait un souvenir, ça fait quelque chose qu'on peut passer 40 ans après à la radio. Qui existe toujours. Oui, alors peut-être que si aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui je ferais, enfin moi personnellement, cette chanson je la ferais un peu plus ramassée, un peu plus courte. Peut-être qu'on vit un peu plus rapidement aujourd'hui. Mais ça fait 42 ans qu'on l'a enregistrée, donc elle peut paraître longue comme ça, mais bon. Est-ce qu'il y a eu d'autres versions ? Je sais pas. Enfin, pas par nous, en tout cas, non. Cachetoun, on redonne le titre de la chanson. Loujan de Peyrehort. On leur dit quand même ce que ça veut dire et on leur raconte l'histoire qui est racontée par cette chanson-là. Oui, alors c'est le Jean en question là, qui veut se marier. Il est amoureux de Mariette, la fille de Bertrand. Il l'a vue à la foire d'Estaing. Ben oui. Oui, Estaing dans le Gers, où était né le Paul Thalès, l'auteur du texte. Inoubliable. Hein. Inoubliable. Donc il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle vient acheter une robe, etc. Et il lui promet plein de choses. Donc elle veut se marier avec lui. Le jour du mariage, il n'y avait rien de prévu de ce qu'il avait promis, mais ils se sont mariés quand même. Alors on ne sait pas s'ils vécurent heureux, mais bon, on peut l'espérer. Vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Non. Bon, ben, on écoute. Ah, pour terminer, moi j'aimerais bien, Cachetoun, que vous me donniez une autre chanson, un autre titre qu'on va écouter en conclusion. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir parlé de ce titre-là, de nous avoir parlé de la chanson Trad, de Perlin Pimpin Folk, de Jean-Luc Madier et bien sûr de Cachetoun. Donc, c'est une chanson chantée par Pierre Boissière. À la ciutat de Lleida, à la ciutat de Lleida, il y a une prison, petite Monique, il y a une prison.
jolie de l'île. Senti cinquanta presos, senti cinquanta presos. Cantano una canzone, petite bonique, cantano una canzone, l'île de l'île. La nena sols escolta, la nena sols escolta. De dalt del mirador, petita bonica, de dalt del mirador, direte l'iro. Canteu, canteu, vos presos, canteu, canteu, vos presos. De qui us entreure jo, petita bonica, de qui us entreure jo, l'ireta l'iro. Ai pare, meu pare, ai pare, meu pare. Les claus de la presó, petita bonica, les claus de la presó, l'iré t'arriró. Ai filla Margarida, ai filla Margarida. Demà els penjaré a tots, petita bonica, demà els penjaré a tots, l'ireta l'iró. Ai pare, meu pare, ai pare, meu pare. Pengeu-me a mi tot, petita bonica, pengeu-me a mi tot, l'ireta l'iró. I a cada cap de forca, i a cada cap de forca, poseu-hi un ram de flors, petita bonica, poseu-hi un ram de flors, l'ireta l'iró. Perquè la gent quan passi, perquè la gent quan passi, senti la bona olor, petita bonica, senti la bona olor, l'ireta l'iró. Radio Bulle. L'heure occitane. Martine, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me raconter la belle histoire de ce CD, de ce disque? C'est une histoire de retrouvailles. En 1985, nous retrouvons l'amie d'enfance de Rosine, Françoise Dag, qui nous a initiés tous les deux en même temps au chant traditionnel occitan. Et en son temps, elle avait collecté avec sa propre mère des chants de Noël, et qui lui tenait à cœur de réinterpréter et le faire avec donc Rosine et Martine, et Claire aussi, ma sœur plus jeune, l'autre fille de Rosine. Et nous connaissions déjà ces chants, nous nous sommes donc retrouvés en 3 jours pour les rechanter ensemble, pour trouver des arrangements, pour trouver des idées. Ça a été extrêmement rapide. Et ensuite, nous nous sommes enfermés dans le studio, Pendant 5 jours, ce qui est un temps record pour enregistrer autant de chansons, avec le preneur de son, nous avions le grand désir de dédier ce disque, au féminin profond, à Marie, à la mère, à
la matrice, à la source oui. De vie. Donc, un disque que nous désirions inspirer et avec à lui redonner toute sa dimension spirituelle dans la ferveur, l'innocence, la tendre naïveté de ces hommages populaires offerts au Christ et à sa mère à travers le répertoire de la chanson populaire. Toute la simplicité et toute l'innocence du monde. Donc nous avons fait ce disque dans ce sens. Tout a été très, je dois dire, très doux et très facile, sans obstacle. Et nous débordions de créativité sur les arrangements à faire et à porter. Quand ce disque a été fini, Rosine, d'un coup, comme ça, a dit, ben, ce disque, je dois vous dire, je l'ai envoyé au jury de l'Académie Charles Cros. Ça m'a attrapé comme ça, j'ai fait ça comme ça, une inspiration soudaine. Et je l'ai envoyé un peu au hasard. Alors, le prix de l'Académie Charles Cros, c'est un prix international qui est dédié aux artistes dans différentes catégories, variété, musique classique, jazz, etc. Et nous l'avions déjà eu quelques années auparavant, mais il est fort rare qu'il soit accordé deux fois au même artiste. Donc, Rosine fait cet envoi, et quelques temps plus tard, alors que les inscriptions sont fort closes, qu'il n'est même pas question de rentrer dans la sélection de l'année, mais bon, elle fait ça quand même. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un coup de fil d'un journaliste qui lui dit « Votre disque est arrivé chez moi. Moi, en fait, je fais partie du jury de musique classique. Donc, l'art populaire, ça ne me concerne pas du tout. Mais j'ai écouté votre disque parce que j'ai aimé la fraîcheur de la pochette. C'était une peinture faite par une peintre, une Denise Barail de Natte, ariégeoise. Elle dit « J'ai tellement aimé la pochette que j'ai écouté le disque. Et c'est... Et j'ai découvert une pure merveille. De telle sorte que je l'ai amené aux autres membres du jury. Et quand nous nous sommes réunis, j'ai dit, il faut absolument que vous écoutiez ce disque. C'est très beau, on ne peut pas laisser passer ça. Et donc les autres journalistes, les autres membres du jury, des musiques classiques, jazz, tradition, populaire, variété, internationale, ont écouté ce disque et ont décidé de lui offrir un prix, de le récompenser, alors que toutes les sélections étaient déjà faites et que tout était clos. Et comme il ne pouvait pas le mettre dans les arts traditionnels parce que les choix étaient déjà faits, ils ont décidé de créer une catégorie, la catégorie patrimoine, et au titre du patrimoine de Primus Disque. Donc voilà le miracle de Noël, quand tout est spontané, quand il n'y a pas de calcul, ce qui doit arriver arrive. Et les choses qui doivent être reconnues et se répandre le son. Voilà. Et si ça doit toucher les cœurs, ça touche les cœurs. Et nous avons eu énormément de retours pour ce disque qui calmait les enfants et qui apaisait les enfants dans les orphelinats. Voilà. C'est une très belle histoire d'amour, ce disque. Martine, on reviendra sur cette attribution du prix. Et j'aimerais que pour l'émission d'aujourd'hui, vous m'indiquiez... Avec un commentaire, mais très rapide, très, vraiment très rapide, 6 titres que je pourrais passer pour justement les journées de Noël, s'il vous plaît. Alors, ben celui qui ouvre le disque, Nadalenka, c'est un disque qui fait a cappella, il n'y a que des voix, que nos 4 voix. Alors, Nadalenka, c'est celui qui ouvre le disque. Noël encore, chantons Noël, chantons encore et toujours Noël. C'est Rosine qui chante. Nadal, 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 Nad
Tanti Nadal, 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 tanti Nadal en caro. Eu m'ensuia nado cerca guilio met que escutosa quiu gai pasturele. Tanti Nadal, 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 tanti Nadal en caro. Tanti Nadal, 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 tanti Nadal en caro. Deuxième, Nadal dans Ausels, le nom des oiseaux. Tous les oiseaux viennent autour de la crèche porter leur hommage, et chacun avec son chant particulier. Que bien et fa, men la nostre riuarura. Lunguls avanço, l'oprimer, mundo sul guest del rastellier, e per començar l'urasu, en tu no sono cucurrucu. Arrivo en este plan, no li no tenga en tu religión, no ti chufa ni ni ta ni ni ta na la la house to tiro li ru, tiro li la tiro li tiro li li ru, ti tiro li ti tiro li 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 ru, ti tiro li tiro li tiro li li ru, ti tiro li ti tiro li 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 ru, un cardi surtis de sunniu. Salut e ditti ricci, ricci ora spunno passerà, e la caglio fa pal papà, ai si venillo batiquet, se pausa il gusto del verdit, e su salvallo russignol, canto all'empana re mi fa sol. Re mi, re mi fa sol, sol, re mi, re mi, re mi fa sol, re mi, re mi, re mi fa sol. Per un murale fil de Dio, benché sia grande devo sì, angis pastu, hausel del cel, cante la vei Noel, Noel. Alors, la terre est stretch. La terre est froide, au ciel il neige, c'est la morte saison. C'est un Noël du Limousin.
sous la forme d'une danse, la bourrée, qui est la danse typique du. La 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 lero la 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 lero la 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 lero la 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 lero la 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 la. Lo tere spregio lo sciau ne vejo morto sa giù. Ove l'usante cantaru ange de un odolu. Vene fluretta roja violetta li fa lo cur. Zamai lo tero no viden che rotton zento flu. Chi vu pintravo buge ma umavo chi to lo sciau. Ove fluretta roja violetta de un medogiau. O che u che d'uno aure corrono glorio polai. Tingi nei tapre tan miserable o ne se plai. Non no scelterò nia rede in che lo do mondo le. E comparable a un altro i tapre de betele. E comparable a un altro i tapre de betele. La quatrième. L'oubouillage, le voyage, le récit d'un miracle. La Vierge veut cacher l'enfant, elle le donne à un paysan qui laboure sa terre, et lorsque débarquent les soldats qui viennent chercher l'enfant, le blé a déjà poussé, grandi, germé, et il pense que l'enfant qu'il cherche est déjà passé par là, mais l'année précédente. Dum 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 dum. San Giuseppe bambi Maria tutti due sbambuia già. Pailuja, digus les bol pailuja. Dom dom dom. La Vierge se ne andata in portant son nouvel nat. A rencontra sulla rado un semena ire de blat, un semena ire de blat. Dom dom dom. Un curet bus bello d'ammo. Che tambere fan portar oli la maga bravo me digat me se pur io t'pas digat me se pur io metes lugius ma capota digus li vendra truba ritornatum cam bravo me tumblat preso recupa tumblat preso recupa. Ako se pot pas maramo tutta role in semenat verbo monto sulla rado anin bai cercat un piat anin bai cercat un piat. Paglio e mendi un carduro, abbio grandi te spigat, e in carruna o tre carduro, vespizzero madurat, vespizzero madurat. La primiero cavellaro, lune cinco zarrasat, cansen ben lavando armado, des giudius e marisiat, des giudius e marisiat. Avanzai si vi el segaire, chito decupat un blat, naurios pas vistino maire, in portans un nouvel nat, in portans un nouvel nat. Si pel tem de la cribido, cansemena bim un blat, anen turnen nus brigado, a cosero l'han passato.
a cosero l'impasto. Radio Bulle, l'heure occitane. Le cinquième. Tatin Nadal, chantons Noël. Noël du Haut Languedoc. Et c'est aussi, chacun vient autour de la crèche offrir son hommage, une chanson, un gâteau. Chantons Noël toujours et encore. Cal dire o che dir lumestre della luna e del sole, è nascut in un campestre sen candelo ni cale. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Aniren sulla montagna a grappa un ausele, lo tendrem per la cameto per amusare vante. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Nel tu mio portono grivo, din lu plegue su mantel, Michel il mio de cardino, din lu clor de su capel. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Frances porto no cucchetto, Guillaume messo in russignol, Jordi porto de castagno, e Bernardo in parpagnol. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Le fandrom din zuno grangio, e che il lumestre del ciel, na per lei qu'un pau de palio, qu'un estable per castel. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Nadal Pindaire, le Noël sonnant, c'est un du pays toulousain qui servait aussi, qui a servi sous Louis XV à l'annonce de la naissance du dauphin, mais qui est en fait un morceau populaire traditionnel et qu'on trouve dans beaucoup de régions occitanes, et certains reconnaîtront la mélodie, la musique. Cal dire o che dir lumestre della luna e del sole, è nascut in un campestre sen candelo ni cale. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Aniren sulla montagna a grappa un ausele, lo tendrem per la cameto per amusare vante. Canten como cal, canten tutis ammasso, canten como cal, canten Nadal. Mertu miu portono grivo, din lu plegue su mantel. Terminé, petite conclusion. Comment vous avez fait pour faire le choix des morceaux de musique?
Le choix s'est imposé parce que cela provient, comme je vous disais, d'un collectage fait par Françoise Dague et sa mère, à l'époque où les gens chantaient encore librement dans cette langue et dans les campagnes. Donc le choix s'est un peu imposé à nous, mais en même temps il a été très difficile, parce que nous avons essayé de prendre partout dans toutes les régions occitanes, et les chants de Noël, on les trouve partout, et c'est un répertoire très très riche, très beau en mélodie, très beau. Donc nous avons essayé de diversifier, de garder à chacun la couleur de sa région d'origine, de la Provence, le Limousin, la Gascogne, le Languedoc, chacun avec son esprit et sa couleur propre à sa région, à son terroir. Martine Burglin de Peyre, je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour votre invitation renouvelée. Bonne fête à vous. Merci beaucoup et à tous, à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Merci Martine. À bientôt André. À bientôt. Bonne journée. Naugujatas kisem trubadas, naugujatas kisem trubadas, naugujatas kisem trubadas, naugujatas kisem trubadas.